Yo! Du coup, je refais la map vite fait et ensuite on prend le mapping. Ça marche? Allez, c'est parti. C'est comme ça, YouTube, il est au courant et tout, et on sait pas les choses dans son dos, tu vois. Parce que je viens de poser 2-3 blocs parce que j'ai une petite idée dans la tête pour la suite de la map. Et je vais vous les montrer. Alors, allons-y, let's go. Oh, c'est tellement beau, putain! Yo, Abadjest, what's up? Ouais, puis y a la VOD. D'ailleurs, pour la VOD, comme ça le chat pourra te dire bonjour. Voilà. Cause when my crew ride up, a sky of a light up, everybody gets a year. Alors, let's go. J'ai raté. Ouais, c'est très précis, hein. Ça a l'air simple quand je le fais, mais en vrai, c'est difficile le jeu vidéo. Ah, j'ai encore du mal ici en cam 3 à faire. Un, raté. Touche, t'es sérieux? Oh la tristesse. Ouais, ma chie. Allez, les coucous qui partent avec les bottes bourbiers, mais let's go. Ça, c'est beau, putain. Il y a même un petit trick gear au start là. Pas piquer des hannetons. Ah, j'ai raté. Salut, Xeros. Everybody gets. Hop. Hop, j'ai raté! Bon, c'est pas grave, ça passe quand même. C'est pas très très smooth. Mais il est soqué. Ok. Ouh, le deux-roues, est-ce que ça passe? Oh, putain, c'est passé avec le deux-roues. Trop bien. Oh, le throw une team. Oh, je suis archi déçu de moi-même. Et là forcément, du coup ça, ouais si ça reste compliqué quand même. Attendez, faut que j'arrive au moins à faire bien la map. Avant de continuer. Oh, mais c'est tellement beau. Ah, j'ai no drift. Voilà, on en était là. Du coup, salut à toi, G4Base. Bonsoir à toi, Dacon. Alors, nous en étions là. Donc, moi, j'ai posé les blocs suivants. Tac et tac. Voilà, ça, c'est ce que j'ai reposé. Maintenant, il va falloir voir si à partir de là, ça fonctionne. Donc, du coup. On va tricher un peu et donc on va mettre ça là. J'ai activé le hop le mix mapping mapping aérien et je vais pouvoir poser des blocs comme ça. C'est mix mappé avec un hexa dégueulasse mais c'est fait exprès. Ça j'y penserai, je penserai à retirer ça. Alors est-ce que ça passe maintenant? Trop tôt. Trop tôt, trop tôt. Du coup on va reculer. Hop, on va se mettre là. On va mettre ça. On va recommencer. Le mapping! Mapping, c'est die and retry, hein. Faut savoir. Ouais, ça paraît. Je pense que j'aurai encore trop de vitesse. Ouais, j'ai encore un peu trop de vitesse. Là, d'enlever la transition dans. Mais TG! Non, je la laisse là exprès, parce que je vais expérimenter un nouveau truc là-dessus. Bien. Du coup, ouais, le jump est pas très optique quand même. Le problème, c'est que si je le mets là, je passe pas. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Parce que bon, là, ça fait un petit jump, c'est cool et tout, mais en termes de trick, recept, tout ça, c'est quand même limité, je trouve. Après,
Après, ça va, quoi, tu vois. Moi, c'est accessible. Faut voir. Possible que ça me plaise pas, on va checker. Hop, 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 hop. Parce que là, par exemple, je pourrais partir en demi-tour là-dessus. J'aimerais faire un demi-tour, en fait. Genre un demi-tour en mode un peu skillé, tu vois. Histoire de... Du coup, comme ça, tu vois. Dégage. Genre comme ça. Into, saut. Into saut, into zeppelin. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas roulé sur un zeppelin. Et donc, du coup, pour fêter l'occasion, on met un zeppelin. Bon, il faut le mettre un peu plus haut. Sinon, c'est pas ouf. Bon, là, c'est trop près. Et un peu trop. Du coup, là. Bon, là, j'aurais pas la vitesse. Bref. Je vais mettre ça là pour l'instant. On verra comment ça se passe. Du coup, à partir de là, ça donne quoi? Let's go. C'est passé, j'hallucine. Ouais, faudrait que je mette deux blocs déjà. Déjà ça. Déjà deux blocs. Parce que difficile. Deux blocs. Fuck. Et ici, sorti comme ça. Tac, tac, tac. En plus, on est obligé de glisser. Donc en vrai, je devrais même faire ça. Bien. Maintenant, avec ça, qu'est-ce que ça donne? Dying Retry, le mapping. T'appelles ça un zeppelin? Ouais, non, mais... pas un zeppelin, un pudding. Vous m'avez compris, là. Arrêtez. Bah, pardon. Non, mais j'avoue que j'ai pas... On pourrait triquer là-dessus. Ça pourrait être un bon trick, le map. Mais non. Ça pue le random et tout. Du coup, je vais pas faire ça. Oh, j'aime bien. En vrai, ça pourrait quasi se réguler. En vrai, je pourrais le laisser, mais je suis pas fan. J'aimerais que ça reste un minimum naturel. Histoire de pas avoir à forcer un drift de type bizarre. Je sens que là j'ai plus de vitesse, je pense, que ce que je devrais en avoir habituellement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, c'est trop fucked up. C'est trop fucked up. Faut autre chose. C'est peut-être trop, non? Faut que je teste. Vite, testons! Vite! Avant que vous le voyez! Vous n'avez rien vu encore! Lance entre le Zeit Fatigue et l'Exa. Je te montrerai ça après. En soi, le Zeit Fatigue est une marque d'Exa, d'accord? Oh mon pote, c'est peut-être trop dur là pour le coup, game. Après on peut wall it. Mais la vraie strat, c'est tu drift. Est-ce que ça passe? Est-ce que j'y arriverai? Si j'y arrive, en vrai, je pense que je le laisse. Enfin, ça dépend à quel point j'y arrive, tu vois. En vrai, y'a moyen. En vrai, y'a moyen. Mais il faudrait vraiment que je vois, en venant de loin, si on a autant de vitesse que ça. Normalement, on garde la gear. Donc du coup, si je garde la gear, que je suis à la limite de la perche, je devrais pouvoir passer. C'est beaucoup trop bien. En vrai, c'est beaucoup trop bien. Qu'on va falloir avoir la vitesse.
Même sans train, ouais, même sans train. Contre, c'est la suite. La suite, j'ai l'impression de beaucoup trop forcer le virage. Ah, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. En gros, faudrait que je ressorte. Si je pouvais ressortir avec ça, ça me ferait ressortir où? Là et là. Ouais, donc pile poil là où je veux en fait. Donc du coup, je vire ça, ça, ça. Je mets ça et ça. Là, non, ça devrait être mieux. Mais genre, faudrait que je mette ça derrière. Et en plus, faut que je mette un checkpoint ici. Pour éviter le cut, parce que je connais les gens. Parce que là, en fait, pour forcer le passage ici, je suis obligé de mettre un CP là. Et donc, du coup, faudrait que je parte sur ce genre de CP. Et ça risque de casser un peu l'attrage. Je sais pas en vrai ce que ça donne ici. Ça gêne ou pas? Ça gêne rien du tout. Ok. Maintenant, go try. Merde. Salut, je suis énervé. Après, justement. Je suis débile. Ouais, en fait non. En vrai, il faudrait que je reparte là. Alors comme ça juste. Là ça va. Là ça devrait passer en vrai. Avec juste ça, ça devrait passer, je pense. Ok. Je try. Un bloc plus loin, trop simple. Tu prends un bloc plus loin, tu penses? Attends, de quoi bloc plus loin? Ça dépend de quoi tu parles, Ringo. Parce que le but, c'est de forcer le demi-tour pour aller là, tu vois. Derrière Nice. Attends, on n'en est pas encore là. En plus, tu te diras plus ça quand tu joueras la map. Non, mais le CP11, c'est moche. Et là, il n'y a pas besoin. Oh, what? En vrai, j'ai moins de vitesse là avec les deux boosts que. Qu'en venant de plus loin. Ok, bon là ça passe. Déjà on sait que ça passe. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'arrive à faire un truc intéressant là-dessus. On pourrait faire un trick d'Oro encore, mais j'ai déjà fait, je suis pas intéressé. Non, en vrai l'idée du Zeppelin me plaît bien. Après le truc c'est qu'il soit solo Zeppelin, je peux rien faire de particulier. Enfin, je crois. Non, sauf si je mise bloc ce genre de truc. Ah, si, en vrai, je peux faire des trucs. Ok. Ok. Pourquoi je peux pas le. C'est pas ce CP. Je regarde. Sans le CV, ça passe pas. Je refais le drift avec les deux blocs qui font un petit passage bloc plus loin. Un bloc plus loin? C'est-à-dire ça? T'aurais mis un bloc plus loin? Non, en fait, ce que je voulais faire, c'est vraiment drifter à partir du moment où tu ratterris en fait. Tu vois, histoire que ça s'enchaîne vraiment naturellement. Donc, si je le mets un bloc plus loin, je force une trage qui fait que. Moyennant ton angle, etc., il y aurait moyen que tu sois obligé de taper un Néo si jamais ton angle n'est pas assez ouvert.
Tu vois ce que je veux dire? Mais là, en vrai, ça passe. Le problème, c'est que ça. L'arrière, là, ça, ce serait mieux. Ce serait plus smooth pour atterrir là-dessus. Et genre, du coup, je pourrais mettre là-dessus une réception de type. Enfin, une réception, quoi. Genre ça, par exemple. Alors, juste comme ça dépend en vrai. Normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Normalement, ici, ça passera jamais. Mais ça, après, je peux faire une safe way ou si tu jamais tu crashes. Donc, à la rigueur, c'est pas un problème. Ah, il manque que ce soit archi smooth. Faut que je teste. Du coup, maintenant que je sais qu'avant ça passe, je peux faire ça. Je pense que un, ça suffit. Et derrière, je peux dégager ça. Non, l'inverse. Voilà. Like it down now. Je pense que c'est mieux comme ça quand même. Mais la difficulté, mais. Ok, bon là on a un truc bien. Là on a un truc bien. Du coup maintenant, qu'est-ce que je peux foutre avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Juste je m'en sers de transition avec un peu de déco histoire que ce soit joli et derrière juste je fais une sortie genre où est-ce qu'il est? Ouais, ça. Genre juste derrière je mets ça genre. Genre comme ça, tu vois. Faut voir. Ça passe. Non. Pas toucher, s'il te plaît. Non. Non. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on le fait à l'aveugle. Mais le truc, c'est que si je retire ça, je sais pas si c'est encore possible. Ah si. Ah oui, je préfère comme ça. Ça passe ça? Alors, ça peut passer, le problème étant que derrière, je sais pas quoi, je sais pas ce que je peux faire. Genre, si je suis obligé de prendre la diagonale. Si je suis obligé de prendre la diagonale, qu'est-ce qu'on peut faire derrière? That is the question. Salut Carolus Magnus! Qu'est-ce que je pourrais foutre derrière? Que ce soit intéressant. On pourrait mettre ça. J'en ai pas encore mis de ça, c'est vrai. Est-ce qu'on aurait pas un petit bloc
Si je m'écoutais, je mettrais une poutre, par exemple, tu vois ce que je veux dire? On va éviter. Non, franchement, je sais pas quoi mettre comme bloc derrière. Sortir un peu de l'ordinaire, tout ça, là. La réception banking, ça pue du cul. Réception pipe, on l'a déjà fait. Je vais me faire des repères. En vrai, si, y a moyen. Y a moyen, mais il faut la vitesse. Putain, la map de l'enfer, quoi. Pour un casu, il rate un saut et après la map est terminée pour lui. Oh là là, c'est tellement la frame, c'est abusé. Alors. Et donc, du coup, si je suis là, il faudrait que je me mette ici. Et en me mettant ici, je pourrais genre faire ça. Faut que je vois si ça passe. I need a custom. On reviendrait dans le dirt? En venant dans le dirt, faut que je vois comment je raterris dedans. Si je raterris bien, il y a moyen. Ah, c'est précis, hein. C'est précis. Peut-être un peu trop précis là, je sais pas en vrai. Après j'ai pris deux fois j'ai pris mal. Imagine tu reprends la montée, cette fois-ci tu fais ça et tu repars de l'autre côté là-bas. Il y aurait tellement moyen. Ouais, c'est respawnable. J'arrive pas à avoir la bonne trage. Ah, mais y a pas assez de vitesse pour faire un drift. Y a pas assez de vitesse pour faire un drift, ça par contre ça m'embête. Si ça passe full speed, c'est pas le but. Après, ça ferait deux fois le même enchaînement par contre. Enfin, pas vraiment deux fois le même, mais. Genre, ça ferait 280. So bad, so cold, so bad. Putain, j'arrive pas à le faire.
Ouais. Ça dégage, si ça l'est pas, je m'en fous un peu, tu vois. Ah oui, non, là c'est plus exprimable parce que j'ai enlevé mon bloc. Je m'en fous, je verrai ça plus tard. So good when it's so bad. Guarantee I'll be the greatest thing I've never had. Après, la question est de savoir comment je vais réussir à repasser. Si en fait, j'aimerais bien repasser dedans, mais comment tu veux que je repasse? Parce qu'il y a. Tu vois, au niveau des blocs, c'est compliqué. Ah, et puis en plus, ah ouais, ah, ça m'a l'air d'être bourbier ça. Ça m'a l'air bourbier as fuck, hein. En gros, le seul truc que je pourrais faire passer à la rigueur dedans, ce serait ça. Voilà. Après, en termes de déco, c'est joli. Voilà, mais tant, je peux descendre ou pas? Je sais pas si je peux te descendre. Si ça va, je peux descendre. Bon, en gros, j'ai trois possibilités pour le mettre sans que ça gêne. Bon, je pense que je prendrai la première. Il faudrait que j'arrive là. Le problème, c'est que ça fait un long passage après. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait trop. J'aime pas. Et je pourrais pas vraiment l'accélérer en soi. Parce que je peux vraiment rien mettre au centre. Ah, ça c'est pareil, c'est d'un côté ou de l'autre. Quoique. Tu passes là? Non, tu passes jamais. Et l'autre côté? Ah, de l'autre côté tu passes. Donc. Ça a l'air de passer, mais. Ça vérifie. Ouais. Ok. Comme ça, ça passe. Mais c'est moche. En plus, je serais obligé de le prendre que d'un côté et pas de l'autre. J'aime pas. Ouais, non, ça me paraît compliqué. Ça marche, bonne nuit à toi, Yanis. Ouais, du coup, revenir là-dedans. Pas la meilleure idée qu'il soit. Je veux pas forcer deux fois ce passage là, ce serait débile. Je pourrais faire un cleaver, mais c'est moche. Attends, déjà, est-ce que je pourrais pas mettre ça à la place? En vrai, je pense pas, mais. Ce serait trop compliqué. Après, ici, je pourrais le faire, par contre. On va mettre ça, je mets celui-là. Et du coup, derrière, je mets celui-là. Voilà. Déjà. Après, je sais pas quoi foutre. Go piscine? Non, peut-être pas. Ça sert à rien, et toi, on dit Conti? Cleaver, j'aime ça. Non. L'ambiance sympa. Ouais, c'était sympa, mais ça fait trop long en fait. Ça fait une longue ligne droite à travers tout le tube et je suis pas trop fan. Enfin, en vrai, je pourrais genre faire deux bandes bleues, séparation plus bas, deux bandes bleues, mais. Non, je suis pas fan. Qu'est-ce que je pourrais foutre ici qui passerait bien? Web get jealous. Mm-hmm.
Déjà, je me mets un CP là, au lieu de mettre ça, pire. Après, du coup, c'est chiant. Parce que faut passer en mix mapping. Et faire ça. Et ça. No, my name, my aim. Ouais. Pourquoi y a du mix mapping là? Ça marche sans, tu vas me dire? Ouais, ça marche pas sans, on est d'accord. Alors pourquoi si je l'active, il me fait chier? Attends, attendez. Voilà, ça va pas trop marcher, je pense. Il me fait un mix mapping ce con. C'est sérieux ça? Putain, là il y en a pas. Alors pourquoi il y en a si je mets ça? C'est quoi ce bordel? Ça marche plus? Ah oui, bah oui. Ah, je suis con, je suis con, je suis con. C'est my bad, c'est my bad, c'est my bad. Ça y est, je me rappelle. Je me rappelle. Voilà, c'est, faut faire ça. Voilà, et là ça fonctionne. Ok. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est compliqué, hein, le mapping. Trackmania. Comment on fait? Déjà, ça, si je peux l'enlever. Oh, je sais, je vais mettre quoi. C'est allié à toi la gravité. Enfin, en gros, qu'est-ce que je peux faire? Attends, je vais faire là du début, que ça me permettra de savoir à combien de temps j'en suis. Et est-ce qu'on peut faire? Non, j'ai touché. Prends en évitement de mise black. Non, mais ça en plus, mais c'est cette technique là, je la connaissais, mais en fait, juste je l'ai oublié. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas mappé une map. Putain. Pas si ça passe. En vrai, je pense pas. Ouais. Ce qui est bien avec ce passage-là, c'est que quand t'as un peu l'habitude de le prendre, tu sais si tu vas rater ou pas. J'ai raté, du coup safe way. Oh la gueule. Ah c'est mort. Putain, dit Conti. Incroyable. Incroyable. Oh, c'était sick. Cinquante-cinq secondes. Ouais, bah je pense qu'on va revenir là-dedans.
Moi, ça me paraît bien. Hein. En plus, j'avais un run pas dégueu. J'arrive à atterrir ici. Ça me paraît quand même compliqué. For the streets, for the fame, for the life, and the paradise game with it. Je biscling en fou la semaine dernière. Ouais, bah ça, je me doute. Parce que de toute façon, tu étais sub le mois dernier. Donc forcément, il s'est passé quelque chose. Je suis d'accord. Je sais pas quoi foutre. Fake arrivé dans l'ancien parcours. Fake finish. Ah. Ouais, non. Faudrait que je trouve un truc pour faire une arrivée stylée. Enfin, en vrai, je suis pas obligé de la finir maintenant, mais à bientôt quoi. J'ai pas d'idée. Vous avez des idées, vous? Dans le Sire Company. They're the fuck with me. Take my bitch. Everybody get mad at me. Ouais. J'ai pas trop d'idées, là. Full RNG. Bah non. Non, pince au final. Non, mais on est pas forcément à la fin de la map. Mais il faut que j'arrive à continuer à partir d'ici. Mais il faut que ce soit smooth. Et j'aimerais ressortir de là. J'aimerais sortir de là, donc soit je jump into là-dedans. Le problème c'est que... En fait je vais arriver de diagonale. Après je peux toujours me démerder pour sauter au-dessus de ça et ratterrir quelque part genre là. Merde. Genre... Encore une réception underground. Ouais. Ça passera pas par contre. Là, je vais faire ça. Rebond sur un poteau. Arrêtez! Mince. Non, le SD serait trop long à mapper en vrai. Puis je sais pas le faire, donc du coup, ça va dégueulasser la map. Ah bah en plus c'est pas possible. Faudrait que je vais mettre là par exemple, faudrait que j'agrandisse un peu le stade. Non mais faudrait que je trouve un truc qui change. Faudrait que je trouve un truc qui change. Qu'est-ce que je pourrais foutre? Petit poisson rouge dans le... Qu'est-ce qui t'arrive à le choc? Il pète un câble. Aïe, j'ai pas d'idée, putain. Est-ce que je pourrais mettre ça aussi, hein? Ça peut toujours se faire, hein. En réception comme ça, là. Ce serait dur. Hein. Genre en gros, comme ça. Ça là, regarde, on peut le faire. De toute façon, je voulais le virer ça, donc... Ouais, là. Ouais, mais les gars... Non, et puis en plus, ça passe pas. Parfaitement bien, ok. Pardon à Chuck, pardon. Roue libre a bien négocié, genre. Ouais, mais non, t'as toujours pareil. Parce que en plus, on vient d'un checkpoint, du coup, c'est chiant la roue libre. Après, j'aurais bien. Non, ce que je pourrais faire, c'est genre. Ça. C'est vrai que ça, ce sera du quasi jamais vu en vrai. Du moins esthétiquement parlant, après le reste ok. Mais du coup faudrait que je trouve un truc intéressant à mettre avec la roue libre. Et pas juste mettre des poteaux par exemple. Ce qui serait moche.
Déjà, faudrait que je mette un bloc supplémentaire de ça déjà. Ensuite, on pourrait prendre la roue libre, effectivement. Après, j'en fous quoi? Ça, c'est la question aussi. Un choc. Ah, j'avoue que là, je sais pas trop. Parce que le but, en fait, ce serait de reprendre ça derrière, par exemple. Et qu'est-ce que j'en fous? Qu'est-ce que j'en fous? Oh! Andy Condi, back to back! Mais re-bienvenue dans l'aristocratie, Andy Condi. Merci beaucoup de ton soutien. Merci beaucoup de ta fidélité. Retour sur Pudding avec la roue libre. Wow. Je pense pas que ça va passer. Oula. What? Déjà, faudrait que je fasse ça. Là, peut-être directement, je sais pas en vrai. Oh, attends. Ça marche ça? Ça marche ça? Ouais, là, c'est intéressant. Attends, une seconde. Faut que je vois, par contre. Ah, merde, faut que je redémarre d'ici. Hop. Ah, mais non, je peux pas. Je me mets en roue libre. Attends. Je savais pas que c'était possible. Enfin, je l'avais jamais fait, disons. Par contre, ça, faut que je vise mieux. Ça donne quoi niveau vitesse? On peut faire un truc stylé. On peut faire un truc stylé. Attendez. Alors déjà, directement, ça part. Part directement là-dessus. Pour aller chercher un drift un peu plus écarté. Mais attends, oh, y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose. Une fois que tu dois faire en arrière. Non, non, Calix. En vrai, c'est trop chiant de devoir se retourner sur une map. C'est chiant à mapper et c'est chiant à faire en arrière. Enfin, ça peut être bien à faire, mais laisse tomber le mapping, quoi, genre. Alors là, ce qui me saoule, c'est que du coup, on est en blind sur le jump. Bon, à moitié, ça va en vrai. Enfin, faut passer en cam 1, mais. Même passer en cam 2, c'est pas si dérangeant. Par contre, faut vraiment freiner. Attends, il faut que je teste un truc. Ok,
dogs. Ain't nothing that a few funerals won't solve. We're trying to be good, this shit's making hard. Killing easy for a man with no faith in God. I got too much guts, too much guts. C'est trop chiant. Par contre, d'ailleurs, testons. Si je mets ça ici, ça donne quoi? C'est pas la même chose du coup. Je sais pas si ça passe encore. Change rien. Mike T, quoique avec de la vitesse, si ça change quelque chose. Du coup, je peux faire ça. Genre. Ou juste ça. Ouais, juste ça en vrai. Ain't no bitch. Avec de la vitesse, ça pourrait changer quelque chose. Ou alors ça directement. La la la, le house. Ouais. C'est derrière, en plus je peux mettre ça et ça fait classe. Ça, mettons-le pas tout de suite. Bien, je reteste avec mes petits changements. Ce sera plus simple. Je perds du temps, je pense. Ah, c'est chiant. En fait, j'aimerais bien c'est passer au-dessus du pudding, mais en atterrissant bien de l'autre côté. Je me demande s'il y a moyen. Avec ça là-bas, ça y est, je sais ce que c'est. Faut que j'aille plus loin. En gros, faudrait que ça ce soit là et que ça ce soit ici. Et si je fais ça, je perds beaucoup de vitesse par contre, non? Après, je peux juste forcer en sorte qu'on fasse tout le tour. Aussi. Et là, je suis plus emmerdé. Oh, attends une seconde. Vite! J'ai des idées par milliers! Non, ça. No, understand it. En gros, tu fais ça et tu pourrais revenir comme ça si t'as assez de vitesse. Mais sinon, tu serais forcé de faire le tour. C'est ça que je vais faire. Est-ce que ça passe? Franchement, j'ai un doute. Faut voir si ça passe en vrai. Je sais pas trop. Mais je pense que je vais la mettre en deux nuits la map. Faudra que je regarde. Ouais. C'est sûrement changer la trage, du coup là j'ai l'impression que c'est plus la même map, c'est normal. Oh wow. Oh, le saut était sympa.
Je sais pas, vous en pensez quoi? Là, franchement, pour moi, le tracé me plaît plus trop. Là, je dirais que ça passe moins bien. Voilà, c'est ça que je voudrais faire. Donc, si je veux faire ça, de une, je dégage ça. De deux, faut que je refoute ça. Ah mais non, ça va pas passer encore une fois. Hey Gurs, t'aurais pas une idée pour virer les trous là? Parce que le poteau, il, tu peux pas le mettre au centre. Ouais bah non. Ou sinon après, je peux revenir à l'ancienne, au basique. Et là, je me ferais plus emmerder, je pense. De l'argent? 2 euros, Dricou? Qu'est-ce qui t'arrive, Dricou? Merci beaucoup pour ta générosité, Dricou. Merci beaucoup. Gros, là, tu passes. Là, là. Va falloir un Néo. Alors Néo je pense. Si tu moves le CP de 1 et que tu bloques. Non le CP je peux pas le bouger. Je peux pas bouger parce que c'est bien par rapport à la trash d'avant. Ce qui me fait juste chier c'est ces putains de trucs de merde. Mais là je pense que j'aurais plus de soucis. Après la question c'est est-ce que ça va passer là en fait. Après à la rigueur je peux faire ça. Hein. Ah non. Enfin si en fait. Je sais. Voilà, bah voilà, ça y est, j'ai résolu mes problèmes. J'ai replay. Là, tu peux griller autant que tu veux. Après, ce sera quand même mieux de passer inter, je pense. Du coup, il va falloir que je rajoute genre ça, quoi. Non, pas ça. Juste là, ça là. En vrai, pourquoi je me casse la tête? Voilà. On est de mourir en position fœtale. Let me check. Là, j'avoue que je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah oui, là ça passe beaucoup mieux. Par contre, j'ai peur qu'il y ait trop de vitesse du coup. Je sais pas, faut voir. Merde. Oh, la VOD! À toutes!